Et bonjour internautatrices et internautateurs, ici Gaiden pour les jeux du cygne et son compagnon éternel. Bonsoir YouTube. Et on vient de défoncer, enfin de vaincre, défoncer le terme peut-être un peu fort. Les trois Si, bénis on qui l'a nous défoncé. avaient. Bon, ok, on les a défoncés. Voilà, pendant que l'éternel est en train de finir de recharger. Je pensais que ça serait bon, mais. C'est un peu court. Voilà. Eh bon. Alors, Ah, victoire si, à la c'est bon. Pyrrhus. Son héros, son maître est mort. Oh, c'est déjà Son ça. maître est mort, très bien. Il a perdu. Ouais, Il a perdu il a quand même bien une souffert. baliste, sa méduse. Et moi, je vais régénérer un Et il a perdu deux sisters au sauteur quand même. Et surtout, il est trop loin de sa ville. Donc je vais le rattraper et le découper en Et toi en deux. plus, t'es chez toi donc tu régènes. Et moi je suis chez. Bah, j'avais un peu fait pour. Je m'étais dit au cas où. T'as quasiment la moitié de ton modèle qui est de l'autre côté, mais. Mais les pieds sont chez toi. Je pense que les pièces sont. C'est ce qui compte. J'espère. J'espère que je ne me suis pas planté. Non, non, bon, j'ai l'impression que c'est chez toi. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi? Rejoindre la guerre? Non, ça ira. Je m'en passerai. Hop. Bonus anti-large plus 10. Oh, parce que il est gentil large et fire resistance plus 25, ça c'est très bien. Ça va contrebalancer sa régénération. C'est pour l'armée ou c'est. Non, non, c'est juste pour le Lord. Ah, très bien. Ouais, j'ai débloqué les zombies d'élite. GG. Non, mais squelette d'élite, pardon. Bon, j'ai pris un peu cher par contre, quand même. Ah putain, il les a ensemble. Ils sont en soutien mutuel. Et ils sont. Alors. Moi j'ai l'impression qu'ils sont pas en soutien mutuel. Si j'attaque la ville, les deux sont en soutien, mais individuellement ils ne sont soutenus que par la garnison. Si étant moi j'ai pris cher. L'armée d'Hellman elle a pris très très cher. Avec Oui. l'attrition. Bah et Ah oui, l'attrition en avec plus donc. l'impression. Et surtout que du coup, elle a pas régène en fait. Et en plus voilà, non seulement elle a pas régène parce qu'elle a pas pu traverser, elle s'est mangée l'attrition, plus le combat, ça commence à faire beaucoup. Bon, là je peux faire une petite. Ah non. Ah oui, c'est que j'ai réussi un assassinat au tour précédent, donc forcément. Par contre, je peux. Non, je vais pas essayer d'endommager les murs. Je vais éviter de me prendre des pertes. À la limite, je vais faire rejoindre l'armée. Comme j'ai une place. Hop, bim. Victoire à la Pyrrhus quand même, ouais, on va la jouer. On est obligé. On est obligé, putain, c'est chi. Ouais, moi je suis quasiment fou là. Ouais, non, on va le massacrer. Côté Pyrrhus, je vois pas trop là, mais. Bah si, c'est calculé à la Oui, con. c'est à part que le fait que tu joues du Skaven, je vois pas trop. Mais. Je me souviens, je crois que c'est la première partie qu'on a faite en multi, toi et moi. C'était quand j'ai la fameuse partie où moi je jouais il quitte la griffe et toi Thorgrim sur Warhammer 2. C'était encore une partie où moi je faisais toutes mes batailles en auto quasiment et. Je sais plus, déjà à l'époque, on se disait, putain, c'est vraiment n'importe quoi l'autorésolution des Skaven, et on voit que ça n'a pas tout à fait changé. Même SFO n'arrive pas à corriger ce défaut. Bah c'est sûr qu'il se base sur la valeur d'armure, t'as pas tes chances. Ah, et puis à chaque fois, parce que c'est pareil, on avait fait une partie où moi je jouais Slaanesh, et toi tu joues je sais plus quoi, et c'est pareil, Slaanesh, on était obligé de tout faire en auto, de tout faire à la main parce que les pertes étaient considérables à chaque fois alors que à la main on le défonçait quoi. Je crois que je jouais le seigneur, le prince démon. Ah oui, c'est ça, le démon de patate. Voilà, c'est ça. En orientation Nurgle, donc avec un peu plus de points de vie d'armure Elle que Slaanesh de fait. est tac tac. Hop.
1, 2, 3, 4. Hop. Bon, tu me laisses un peu le temps de me préparer Oui, cette fois-ci. oui. De toute façon, je vais envoyer mes tireurs De toute façon, pour le coup. on lui défonce sa première armée, et ensuite on lui défonce sa deuxième. C'est pas là, on s'en fout de faire de l'interception, quoi. On s'en cogne. Attends, tac. Hop. Alors. Ready to hunt him. Clan Tac. Obey follows me. C'est bon. Ça va être bon pour moi aussi. Bon, on se pose. On commence par une petite invoque sur ces balistes derrière. Oh putain, par contre, il va y avoir... Oui, c'est ça. Attends, il y a encore l'arche? Il y a encore Bah l'arche. tiens! Bah oui, forcément. Et ça, c'est bien, ça recharge à quoi? Ouais. Elle, je pense que de toutes ces unités, c'est de loin celle qui m'en fait le plus C'est mal. celle qui aura fait le plus de skill, ouais. C'est con, elle peut pas gagner d'XP. C'est vraiment trop dommage. Hop, bon, l'avantage c'est que là je l'ai vu, donc du coup je peux bouger avant que ça ne tombe. Bim, Il a raté! tout raté. Ah, il lui reste un groupe de 6 heures quand même. Ouais. Des ombres aussi. Alors, sur qui il tire avec ses mortiers là? Aïe, 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 les sisters. C'est qui guerrier des clans? Vous pourrez peut-être continuer d'avancer, non? En fait, même si vous allez un peu arriver après la bataille, hein, sur le principe. Ça va vite cette merde en plus. Hop. Et arrête, con de mortier. Oui, là, je pense que tu vas faire plus de dégâts chez toi que. Va te mettre en place pour le second round. Oui, mais c'est. Non, non, J'intercepte ces. c'est moi qui dis ça Ah, à mon d'accord. mortier. On va attendre les renforts, t'inquiète. On va les attendre bien sagement. Ils arrivent dans 10 secondes en même temps. Oui. Ces sisters slaughter sont morts, c'est bon. Mais de toute façon, l'armée va mourir, hein, puisque c'est. Ah oui, c'est du. Ok. Là, c'est ceux que je suis C'est allé comme. C'est de la poursuite, ok. rechauffer derrière. Mais non, mais putain, je t'ai dit bouge. Pourquoi tu te. Fais gaffe qu'il te voit du coup Oui, je sais, avec les balistes. j'ai mon fufu, hein, j'ai des bombes donc. Galaton, cavalerie aux armes hybrides. Hop, une petite invoque qui va bien. Tu vas avoir une invoque en plus. Hein. Ok. Je te la file. Non, 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 garde là, c'est juste. D'accord. Ça distrait.
Ah, pause. Je vois la cible. Ah, mais du coup, t'avances vachement, ça. Du coup, moi, je suis hyper loin, en fait. T'es. Putain, bouger, Tire sur quoi bordel. ton mortier là? Bah, sur Tire sur les fuyards, en fait. des fuyards, youpi. Oui, mais. Un tir qui aura raté. Unité cachée sans découverte. Oui. Ah, qu'est-ce qu'il tire? Ah, c'est bon. Il tire sur le. Sur les invoques Sur de les Gwen. invoques, c'est ça. Hop. Tac. C'est résistant les doubles, les leurres là. Et surtout ça, ça. Arrête avec tes balistes, hein, tu vas faire plus de dégâts que chose là, avec ton mortier là. Ouais, Stop le, hein, là tu vas cartonner sur tes propres troupes là. Hop. Ouais, de toute façon, c'est fini. Hop. Terminé la bataille. Bim. Victoire de justesse. Mais oui, bien sûr, monsieur. Bien sûr, bien sûr. Allez, je m'en pose le temps que ça charge. Et voilà, on est de retour. On va peut-être se soigner un peu avant d'attaquer la ville. Voilà. Tac. Et une monture, tiens, pour mon chef. Niveau 12. Le chercheur d'ennemis. Hors d'atteinte. Et je vais coller du blessé quand même. Et ben on est parti direct en siège. Défaite valeureuse, forcément. Avec des murs, on va effectivement mettre quelques engins de siège. On va assiéger un tour. Et ensuite, on le termine. De toute façon, il n'y a plus d'armée. Donc là, de ce côté-là, je suis tranquille. Alors, je vais juste avoir celui qui vient de m'attaquer là, qui va. Je vais sans doute retrouver quelque part. Je sais pas où est-ce qu'il va m'attaquer en premier. Tiens, est-ce que toi, je pourrais pas te dire de protéger ça là? Histoire que ça serve à quelque chose. Bon. Vous. On va mettre. Hein? Allez, change au prochain tour. Hop.
Oh là là, une victoire décisive avec perte faible. Incroyable. Je vais pas la prendre. Je vais la raser. Et où là? Niveau 10, filtré, voiture générée plus 1. Mid 1. Comme ça, j'aurai le temps de le voir revenir. Alors, le poste avancé, je vais pas l'améliorer. Ah tiens, je peux te recruter un Death Runner. Bah oui. Et tu y as déjà accès? Oui, j'ai déjà accès, mais je n'ai pas recruté encore. Ah, ou des catapultes de la peste, ça peut être mieux. Ah, pas le même genre. Ouais, mais pour mon armée, ça peut être mieux d'avoir un truc qui peut tirer d'un peu de loin. Céleste, qu'est-ce que je vais faire ici? Consommation de nourriture. Pour l'instant, j'ai quand même pas trop de problèmes de bouffe. Oh putain, consommation de nourriture moins 5, ça, bordel. Ensuite, pour générer des sous, c'est quand même un peu indispensable. Ouais, non, je vais faire ça là. Puis là, je ferai. Putain, c'est ouf. J'ai le truc de province qui me fait autorité plus 4. Et même avec autorité plus 4, je peux pas imaginer de collecter les revenus, quoi. Voilà, 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 là. Bon, qu'est-ce que je fais, moi? Tiens, là. Est-ce qu'on la relance? Avant qu'il soit Ça me trop donnera refait. quoi, ça? Dévorer les contrats niveau 3, relations diplomatiques plus 25. Ouais, bof. Coût de recrutement moins 100% pour les moines de la peste et les catapultes de la peste. Ah ouais. Ah, c'est pour ça que j'ai. D'accord. Bon. Je vais quand même essayer de me mettre plutôt bien avec lui. Avec. Comment il s'appelle celui qui est chez toi? Avec Stunskritch. Non, ça je vais attendre. Je peux pas recruter d'autres assassins là. Si, je peux recruter un autre. Bon. Est-ce que je la retente ou pas? Il a perdu un peu quand même. Hein. Pas très en forme, il y aura sa garnison en plus et du coup des murs. Allez, on va la tenter parce que sinon il va se refaire et ça va être infernal. Putain, il y a une armée derrière là? Mais non. Il a une arme mais derrière. De quoi? Ouais, non, il a une armée avec 4 péons, un héros et un lord dans mon dos. Ah. Bon. Ok. Alors, que va nous faire Hellman? Assiège ou attaque? Bah, on va attaquer, ça sert à rien que j'assiège parce que ça va juste lui laisser le temps de régène en fait. Donc il faut que. Et puis toi, t'es en nutrition en plus. Non, non, je suis pas. Ma deuxième armée est en stance régène. Ah, il y a du monde encore. Hein. Putain. Il y a encore un peu de monde. Il est bien abîmé. De bon, partout. C'est con, t'aurais dû attaquer avec Hellman histoire de. De choper le buff. Sur Hellman aussi. Ah! Oui,
En même temps, avoir un bonus de 10 anti-large sur Hellman. Ouais, c'est pas faux. Pas s'il y a grand monde qui inflige des dégâts de feu, à part Kalédor dans la région. Donc, pas très très grave. Si, il y a des nains. Et le truc, c'est que surtout, il faut que. Non, gros, c'est vrai, j'aurais pu éventuellement attaquer avec Hellman. Pas très grave. Ah non, il n'y a pas de mur. Non, non. Et donc, c'est sa garnison. Ah oui, non, c'est du territoire ogre, donc il n'y a pas de mur. Ah. Indeed. Bah, on va foncer, hein, de toute façon. Et là, le déploiement d'avant-garde sur les zombies, c'est bien. Parce que sinon, on serait jamais arrivé à temps. Le problème, c'est que tes renforts, ils vont Mes prendre. renforts, mes 3 pompes arrivent, mais en même temps, comme mes renforts ne seront pas très en forme, c'est pas forcément très grave. Ouais. Tiens! Où qui s'est mis? Ah, on peut en mettre quelques-uns Et on peut en mettre là, vraiment en de tout coin. proche, hein, donc. Bah, il s'est mis du côté d'Imric. Ouais, limite l'armée qui est complètement de l'autre côté, tu la laisses venir. Hein. C'est-à-dire. Celle qui est tout à l'est sur la Ah oui, bah carte. celle-là, de toute façon, c'est pas son armée la plus puissante. Hein. Question. L'avantage, c'est que tu auras les aigles qui vont venir en premier. Quatre quarante-six, ouais, limite. De quoi? Limite, effectivement. Ben, je pense en fait, parce que au Ouais. moins quand ils arriveront, ils seront directement là. C'est ça. Alors. L'autre option, c'est de. Au compte. Ouais, ou pas. Ou alors je les remets là-bas. Parce que le truc, c'est que du coup, ils vont en profiter pour régène, en fait. Pendant qu'ils vont faire le trajet. Et il y a peut-être moyen qu'ils arrivent full life, en fait. T'es sûr? Ah Ah ouais, bah. avec. Ah non, parce que les machines mortises, il faut pas qu'ils soient au contact pour. Non, c'est pour le dégât qu'il faut qu'ils soient au contact. D'accord. Donc je fais un entre-deux. Ouais. Je les rapproche un peu. Et comme ça, ils seront pas trop trop loin et ils commenceront à régénérer directement. Donc, bon, de toute façon, ça va être la ruée, hein. Ouais. Hop. Et que niveau 7, ton lord? Pourtant, j'ai l'impression qu'il a quand même déjà pas mal combattu. Quoi? Il est que niveau 7, ton lord? Ouh, il est pas beau. Il a fait un peu de travail, le Lord. Oui, c'est pour ça que je suis surpris qu'il ne soit que niveau 7. Alors. Bah, j'ai pas fait énorme de batailles. C'est mon Lord secondaire. Donc. Ouais. J'en ai deux là. Un là. Deux là. Et puis toi, on va voir. Par là. C'est bon. Limite passer en x4. Mon Dieu, les méchants, ils sont là. Attends, stop, pour redonner des plans. Non, trop tard. Parce que du coup, en fait, l'organisation est pas bonne, puisque comme ils ont tourné, du coup, j'aurais raté mes charges. Tac. Tu gères toute la partie qui est plutôt à l'est. Je vais essayer de gérer la partie droite, enfin oui, là où il y a ces archers, Ouais. la partie qui est le moins proche du bord. C'est ça. Je vais aller par là. Je vais aller par là. Toi, je vais aller là. Ok. C'est bon. Ouh, ça fight.
Il cavale le Strigoi en plus, hein. J'en ai un qui fait rien. Neuf secondes. Avant impact. Commence à rapprocher mes zombies. Fais gaffe, t'en as qui partent loin là. Ah ouais, mais tu me diras, c'est. Ouais. Non, ils sont en poursuite d'archers donc. Bah, mais en une seule sur les archers, oui, non, mais j'en avais, je pensais avoir, en avoir mis une de chaque, j'en ai vu que j'ai pas vu qu'il y en a une de trop. Bon, là, ceci dit, ils m'ont un peu chargé dans le dos donc. Je vais quand même en rediriger 2-3. Attends, toi là. Et toi là. Toi aussi là. Ok. Fais gaffe à ton. Non, là, je t'ai. Fais gaffe à ton micro. Micro. Oui. Ouh. Ouh. Ah, le carnage. Ah, et puis instant, hein. Ouf. Ah, fait mal celle-là. Ouf. Nom d'un chihuahua, non. Un peu, ouais. T'as des zombies qui vont se faire impacter par des aigles. Ouh, ça c'est pas très grave si c'est que les zombies. Ouais, ça va être un peu dramatique. Hein. Ça a fait un peu bobo, j'ai claqué une régène, mais ça sera pas suffisant. Pas... Les renforts sont arrivés. Ouais. Ouais, et eh ben heureusement. Ouais, je vais assez vite plus avoir personne. C'est tel que je vois les choses. Ouais, toi ton unité de zombies qui était loin. Elle s'est fait démonter. Ah, elle s'est repartie dans l'autre sens. Ouais, il touche aussi là. Hein. Mais là, il se touche aussi lui. C'était moins bien placé. Putain, mais comment ça se fait qu'il régène autant, Emmerich, quoi. Ah oui. J'ai bientôt plus d'unité. Hein. Ouais. Hop. Pas forcément très bonne idée. Ouh la tête, ton lord qui prend cher là. Oui, je sais. Il y a les 15 dragons qui sont tombés dessus. Ouf, il a récupéré en moral. Moi, tu peux me donner des trucs, hein, je fais rien. Littéralement, je fais rien. Ah bah d'accord. Ouais, je vais très vite plus rien faire non plus. Ouais, mais alors, eux, ils vont être tellement loin. Le problème, c'est que ça, ils sont loin. De toute façon, moi, ceux qui sont à mêlée, je leur donne aucune consigne. De toute façon, non, bon, ils tapent pas... sur ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent. T'as pas grand chose à leur donner comme consigne. Ok. Bah écoute, c'était rapide. Moi pas. De fait, Elman et nous. Ah non, Noven et nous full life, je sais pas comment il fait, mais. Allez, les lions blancs, ils se font plaisir, hein, parce qu'ils sont au cœur de la mer tout à l'heure. Du zombie, tu m'étonnes.
problème c'est que moi, du coup c'est là que c'est con, c'est con que j'ai zéro magie en fait. Ah oui. Oula, il y a des patrouilleurs aériens là. Gaffe, les patrouilleurs qui vont se faire impacter. Les ghouls qui vont se faire impacter par les patrouilleurs. Qu'est-ce qu'il a traversé lui? Les machines mortis, ils volent donc. D'accord. Par contre, il se fait tirer dessus. Oui, je sais, mais c'est pour ça, mais elle était pas censée aller aussi loin. Je vois que dalle, là, c'est un peu le bordel. Bon, les patrouilleurs aériens, je les ai chopés. Le flot, le flot de zombies. Et vous allez, putain, son match de feu là, il faudra le dépop. De quoi? Son mage de feu, celui-ci, il doit plus avoir beaucoup de magie non plus, mais. Bah j'espère. J'ai pas regardé s'il en avait autant que toi au départ. Bon, il a fait juste 340 morts. Dégâts infligés 52 194. Oui bah. Attends, et sur des packs de zombies à 16 000 points de vie à chaque fois, ça monte vite. Hein. C'est de la triche. Et encore, il n'y a pas les dégâts de morale qui sont pris en compte. Attends, Mortis Engine là, il va faire le taf dans la mêlée. Hein. Putain, il y a déjà régène ton lord. Elman, il est déjà fou, je sais pas comment il fait, mais. Il était mid-life quand la bataille a commencé. Il y a les horreurs des crypts. Ouais, ok. Il y a les trois lords au même endroit. Le. Enfin, les deux lords et le sorcier qui sont au même endroit. J'ai plus grand monde. Hein. Mon armée est déjà diminuée de moitié. Ouais. Bon, c'est la moitié la moins forte, mais ouais. Ouais. Ouh, même les horreurs des crypts, bon. Ils prennent cher. Oui, j'essaie de les barrer. Et la boule de feu. Ah, une petite boule de feu, allez. Numérique qui est sur les horreurs des crypts. J'ai vu. Attends. Je vais renvoyer. J'envoie une unité de zombies sur Numérique. Je vais invoquer des zombies déjà aussi. J'ai de l'invoque, autant que ça serve. Son gros taille est en train de lâcher ceci. Hein. Bah je pense que la mortisse au bout d'un moment elle doit commencer à faire un peu le taf. Hein. Mais il y a déjà 14 000 de dégâts. Ouais. Tu devrais pas envoyer ton strigoi sur Mike. Ils vont prendre cher les horreurs. Ouais. Il faut que j'arrive à le dégager le trigger, en fait, c'est le problème. J'envoie du zombie pour soutenir. J'en ai invoqué un, normalement. Donc, ah, tu m'as donné les ghouls en plus. Oui, je t'ai filé les ghouls, parce que j'essaye de voir ce qui se passe un peu en mêlée là.
Poulal Mortis, bordel. Putain, t'es censé être dans la mêlée. Voilà, par contre, je pense qu'Imric, ceci va y passer. Ouais. Il prend cher, Hellman. Ah, Hellman, il faut qu'il soit au milieu des autres, quoi. Unité de zombies qui scotche des patrouilles aériennes derrière. Ça s'effondre là. C'est bon. Allez, c'est fini. Il n'y a pas besoin de poursuivre normalement, c'est ça? Bah si, parce que tout ça c'est des renforts. Oui, mais c'est... La garnison, elle va y passer. Ils étaient déjà en fuite. Ils étaient déjà en fuite. Oui, sauf que c'est pas eux que j'ai attaqué. Oui, mais ils avaient perdu au tour précédent. À partir du moment où ils ont perdu au tour précédent, ils peuvent pas. Enfin, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Oui, mais en même temps, ils étaient pas non plus censés pouvoir attaquer. Ils l'ont déjà fait, donc. On va voir. Non, je suis quasiment sûr de moi. Bon, j'espère que le reset va fonctionner là. Ah bah mais ils sont fait. L'armée de base. Ils se sont fait astropoutrer les zombies. En même temps ils sont là pour ça. Hein, 2796 déployés, 2676 de pertes. Tandis qui, merci les renforts. Merci qui. Ouais, les lions blancs 180. Mais si 18 000 de dégâts, donc ils ont pas fait que. Ils ont pas fait que. Oui, mais si, c'est des dégâts. C'est des dégâts, c'est pas. Oui, ils ont fait beaucoup de kills, mais ils ont pas fait en dégâts en fait. Bah, ils ont 18 000 de dégâts quand même. Hein. Oui, à 180 kills, on pourrait s'attendre à plus. En fait. Ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est qu'en fait, ils ont fini énormément de modèles qui, à mon avis, étaient bien entamés par la boule de feu, par la tête de feu. Mmh. Mais à 180 kills, normalement, t'es quand même beaucoup plus haut hein, en dégâts. Bon. Bon, le seul avantage, c'est que tu peux espérer... J'espère qu'ils sont vraiment morts, parce que sinon, ça va être chaud. Et puis, surtout, tu peux espérer que Imric, il aura du mal à s'en remettre. Bah, j'espère. La faction aura du mal à s'en remettre en fait. Bah il s'est fait péter normalement ces deux armées là donc il va falloir que je rush assez rapidement avant qu'il ait le temps de se refaire. Mais tu chopes des baisers de sang toi en plus. De quoi? Tu chopes des baisers de sang logiquement. Alors. Non, tu vois, ces armées sont pas mortes hein. Ouais mais attends. Là c'est. Attends de voir après le. Je te dis, hein, ils ont perdu à son tour précédent. Voilà, tu vois, ils ont disparu. D'accord, ok. Bon. De Dieu. Même pas mal. À peine. Ah, bizarrement, mon income, ça va mieux. Si c'est pas pour ce que coûtent les zombies, mais quand même. Alors, à toi, t'es où? Toi, je vais mettre en mode... En mode, tu vas essayer de péter son héros là. Putain. Ça me saoule qu'il soit là, lui. La garnison est quand même solide. Non, je ne veux pas améliorer le poste avancé. Je te l'ai déjà dit. Est-ce qu'ici, je vais améliorer ça? Ouais, quand même. On va essayer de se donner un peu de marge.
Diplomatie. Qu'est-ce que je pourrais avoir? Les ventres-tonnerres. Ça, c'est qui? Eh ben, c'est ceux qui n'ont plus que leur camp, là. Ouais, je m'en fous un peu. 0-3, ils vont pas me donner BDF. Ok, et ben qu'est-ce que j'ai? Ah, croissance. Ouh, c'est bon ça. Autorité plus 2, recrutement moins 25%. Pendant 5 tours. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite, je me ferai d'abord du recrutement. Pardon, fin de tour. Ah non, du coup, ça, j'ai pas fait. Non, c'est pas fin de tour. Laisse tomber à moi non plus. Pas fin de tour, j'ai dit. Alors, j'ai dit que là, j'allais attendre que ça se soit fait, par contre. C'est quoi? Inflige des dégâts à une armée, 10%. Détruit le bâtiment plus onéreux. Aucune rébellion. Est-ce que ça m'intéresserait de faire une rébellion quelque part? Une rébellion, qui est-ce que je pourrais faire chier avec une rébellion? On va faire chier eux pour éviter qu'ils m'en tout à derrière. Inciter une émeute. Et c'est toi qui va le faire. Ah mais putain, temps de récupération 2 tours. Allez. Ah oui, ceci étant, c'est vrai que je suis avec l'Hellman, je suis immunisé aux attaques de contact. C'est bon, Donc du tout ce coup. qui est attaque enflammée, attaque magique et tout ça, normalement. Ah oui, sympatoche. C'est bon pour moi. Hop. On est quel tour là? On doit être tour, je sais pas, 15, 20. Je sais pas, on avance pas très vite. Mais putain, il y a une quantité de choses à faire. Avec Calédor, il a zéro armée là. Ouais, Je bah ça, je pense qu'il viens. vient d'en enlever une à l'instant. Qu'est-ce que tu veux, Lokir? Un Enfin, trait. va falloir que je me dépêche à y raser ces trois zones. Lokir veut un traité de paix. Un peu tard, mon grand. Comment dire? J'y penserai. Un beau jour ou peut-être une nuit? La rébellion aura servi à quelque chose. Le problème, c'est que tu vois pas bien ce qui se passe derrière, quoi. Alliés mobilisés pour la colonie, ça tombe bien. Rébellion imminente. Bah, ça tombe bien aussi. Hop. Allez, victoire à la Pyrrhus. Oh, vache. Encore? Putain. Ouais, ça va nous faire une vraie bataille. Et puis, à la limite, on arrêtera l'épisode là-dessus. On va le Ok. faire. On va le faire. Et puis. Concept de vraie bataille, j'ai l'impression qu'on fait que ça depuis le début, mais. Sans dans le ciel? Ouais, si, j'ai une tour et un bélier.
Ah d'accord, c'est que c'est déjà construit, ok. Ah, Stitch apparaît jeune, donc il faut faire attention. En effet. Et puis, sachant qu'il a un héros de mêlée. Et potentiellement une sorcière de l'ombre. Donc avec un... Oui, avec... Attends, c'est Non, c'est pas une ombre. sorcière de mort. C'est ombre, donc c'est quoi comme sort? Je sais pas. Elle a juste un sort de buff. Ah non, c'est vent Buff et debuff, glacial. mais... Non, vent glacial, elle a un vent. Oui, voilà, mais pas, mais c'est Snitch en lui-même, je sais pas grand-chose. Elle a pas le bugeur d'esprit. Bon, par contre, je vais encore avoir la... La petite... L'arche? L'arche. Alors par contre, tu peux te la jouer en mode fufu et aller choper le point central. Le point de victoire avec, avec les C'est persos. moche, mais bon. C'est moche, mais c'est efficace. Et ça peut permettre quand même de limiter un peu les dégâts. Alors, là, il faut arriver à passer pour ça. Non, mais il suffit que je me mette d'un côté. Je mets tous les visibles d'un côté. Toi, tu te mets de l'autre. Oui, d'accord, et je Hein. monte sur les murs. Et puis, l'avantage, c'est qu'en plus, t'as quand même une armée qui reste correcte pour ce genre de choses. Alors que les miens sont quand même vraiment nazes. Oh putain, l'arche, elle va faire plaisir sur les engins de siège. Parce que celle-là, en plus, il bouge pas vite. Parce que ça bouge pas très très vite. C'est même un tout petit peu très lent. C'est marrant, les portes, on dirait des trous de hobbit. C'est un peu ça, oui. Et... C'est cul de sac. C'est ça. Mais on voit derrière. Hop. Bah, c'est bon pour moi, hein. Attends, bah, pas moi. En espérant qu'il soit pas trop. Qu'il ne m'ait pas détecté et qu'il n'ait pas mis 50 000 personnes de ce côté-là. Ah oui, j'ai un. J'en ai un sur. Ouh, c'est moche ça ou pas? De quoi? J'en ai un sur. Sur gros rat ogre. J'ai un chef maintenant sur une. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah, sur les râteaux, là? Ah Ouais. non, sur un rogue, d'accord. C'est moche. C'est moche, ça me plaît. Ah bah oui, mais de toute façon, il n'y a pas grand-chose de beau chez les Skaven. Hein. Oh, c'est toi qui sais pas voir la beauté là où elle réside. C'est... Bah, je suis zombie. Hein. Bon, on avance tout le monde. Bon, donc effectivement, j'ai personne de mon côté. Allez. Hop, toi tu vas aussi là-dessus. Tac. Tac. Et puis bah c'est quel genre de. Ah ouais putain. Les tours ça tire. T'as plus d'angle mort sur les tours. Ah non, ouais, et puis maintenant, oui, bah, ils ont un peu arrangé les trucs de Non, siège. mais Hein. ça aussi c'est assez faux. C'est Oui, c'est ça. donc de toute façon. Ah par contre, putain, je peux faire des invocations où je veux. C'est Bah, bien pété. sûr. C'est quoi de mon pété? Et tu peux Ah, invoquer directement sur la place tu centrale? feras gaffe, il a une triste lame. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Bon, une triste lame, je pense que je peux gérer. Là, c'est pété. Bon, je vais tester, hein. Je vais invoquer. Alors moi j'ai invoqué sur le là où il y a le petit corps. Oui, je pensais celui-là le plus intéressant, parce que bonus de morale. C'est bon pour moi. Hein. Est-ce que c'est bon pour moi? Non, toi, je ne t'ai pas avancé encore. Et toi, tu avances là. Et toi, tu avances là. Je vais mourir. Son arche n'a pas l'air de tirer. Que se passe-t-il?
Est-ce que c'est... Ah non, les invoques ne peuvent pas capturer. Ce serait un peu Ah trop. oui, c'est vrai. Ce serait un peu trop balèze sinon. Mais tu peux éventuellement les envoyer pour commencer à taper sur ces lames tristes là. Ouais, sur ces tristes là. Je vais le faire. Ouh, attends, si, je pense que c'est... Putain. Ah non, c'est uniquement ces unités d'archers qui me font mal comme ça. Bordel. Toi, tu peux... J'adore. Les héros, quand ils posent des échelles sur les murs, ils en posent 5. Ils sont tout seuls, mais ils posent 5 échelles d'un coup. C'est un youtubeur qui disait c'est en fait qu'ils sortent leur ils sortent les Oui, échelles ils de sortent leur les cul. échelles de leur cul, oui, c'est... Il y a un peu de ça. Toi, je vais t'envoyer sur les corsaires, non. Il n'y a pas des balistes là qui peuvent craquer un peu? Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait de balistes là. Là, ils vont se faire découper. Tac. Là, du coup, ils sont assez tristes là, mais ils sont là. Donc là. Fondeurs, ils prennent cher, putain. Ils prennent tellement cher. Il n'y a pas beaucoup de magie par contre. Hein. Bah, le foudre, c'est tellement efficace. Alors par contre, toi, tu vas arrêter de tirer. Alors, capture un point ennemi. C'est j'ai C'est pris toi. une j'ai pris un portail. Ce n'est que moi. Il est toujours pas détruit le... Tellement long. Le bélier, il avance tellement lentement, quoi. Tiens, je peux faire une autre invoque. Plus de quiche. Ah, ça y est. Hop, les portes sont ouvertes. Oui, non, les miennes. Hein. Ah, les tiennes Non, aussi. Oui, les non, tiennes sont détruites. de mon côté, c'est détruit. Moi, j'ouvre. Je fais Ouais. ça tout en finesse. Comme tu Ouais. récupères la ville derrière, comme ça, je pèse pas tout. Tant finesse, c'est vite dit. Les affreux là, un peu cher. Pourquoi vous faites rien là, putain? Les unités invoquées qui sont juste à côté. C'est bon, ça avance de ton côté? Ça avance. Je vais m'occuper de sa sorcière. Je vais capturer le corps et j'ai envoyé. Oh, la tornade de Snitch, quand c'est bien placé. Qu'est-ce qui fait des tirs de boulet de canon là comme ça? Ah, ça va être sa tour.
Ah oui, j'ai sa tour de niveau 3 qui me tire dessus. Eux, je les envoie là pour capturer. C'est vrai que je peux faire ça aussi. Hop. Putain, ils font mal ces corsaires de Dieu. Attends, je mets en pause. Je suis pas sûr de bien suivre ce qui se passe là. Ok, donc ça c'est bon. Là il faut que je nettoie. Tu vas récupérer une invoque, celle-là je veux bien que tu me la donnes éventuellement. Ok, pas de soucis. Je vais péter les. Péter les bloqueurs. Ah, il a ramené du monde finalement sur sa place centrale. Bah oui. C'est un peu le défaut des invoques, c'est qu'en fait je pense que ça va inciter à. C'est que ça les draw, ouais. Bah toi ça t'a enlevé du monde, mais c'est déjà ça, mais. Donc vous êtes là. Vous êtes là. Ok, mes chefs. J'en ai un là qui va terminer de faire le taf. Et l'autre ici. Qui va aller me péter. Ça là. Ok. Voilà. Bon, on va non, ok, pop. Ouais, tiens, je te la rends. Tac, tac. Merci. Magic's ready. Qu'est-ce que vous capturez, vous? Rien. Vous êtes qui? Vous êtes là. On va capturer ça. Hop. Vous allez. Capturer les différentes zones qui nous manquent. Hein. C'est géré. On a la place centrale. On a la première place. Ok. Warp lightning. Clan chieftain. Débarrasse-moi. Oh, il est mal, Snitch. Quoi? La malsaine. Ah, je pensais que c'était juste des corsaires, mais c'était des trucs avec des duellistes. Ils lui ont mis un peu mal, ouais. Non, là, tu veux pas comme ça, non? Ok, là c'est bon, c'est en train d'être pris. Là c'est en train d'être pris aussi. Tac. Oh putain, elle a dépop la moque. Ah. Je croyais qu'elle dépopait pas tes invoques. Ah putain. Et salaud. Il m'a fait fuir cette unité. Voilà. Ouh, qu'il a pas aimé ça. Allez, c'est bon. C'est bon. Bien. Et on a gagné sans capturer la place centrale. Si, si. Enfin, ou pas. Ce n'est pas une victoire de lâche. Moi, j'ai pris cher, putain. J'ai pris un peu aussi. Ouais. Snitch, il va lui falloir un petit peu de temps. Bah, hein. Il était déjà mid-life hein, quand on a attaqué le combat. Ouais. Ça...
Ça joue un peu. Bon, l'épisode est largement assez long, et puis moi, il est largement l'heure que Garde je Nagaronde. note. 140, bim. Ouais. Et je pense que les Bleak Swords, c'est ceux qui étaient contre tes invoques. Ils ont Ok. nagé dedans. Bon, et ben, comme d'habitude, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Ah, j'aime bien la citation de chargement. La société Skaven est une tyrannie modérée par l'assassinat. Allez, sur cette belle citation, on vous fait des bisous. À Bisous YouTube. bientôt.